Docteur. Oui. Ndir une petite introduction, pour qu'on débute Oui. directement. D'accord. Donc, D'accord. bienvenue. Donc, pour les bas, tu as la parole est à vous, femme. Voilà, ni me la parole. On commence. D'accord. Bienvenue, professeur, et merci d'accepter de nous faire cette formation. Et pour les étudiants et les gens qui vont passer le concours, vous êtes aussi bienvenus avec un nouveau cours de notre série de révisions en ligne. Toujours avec la cardio, on va aborder deux cours assez importants qui sont la CFA et l'insuffisance cardiaque avec le professeur Foudet. Si vous aurez des questions, vous les laissez en commentaire. On va les répondre en dernier. D'accord. Docteur, je vous tiens la parole. Vous pouvez commencer. Ok, merci. Salam alaikum, bonsoir à tous, mes chers confrères et mes chers penseurs, bonsoir. Donc, c'est un honneur et un plaisir pour moi de vous faire une petite révision. Donc, je vous ai préparé un petit résumé, qu'on ne peut pas faire le cours, les deux cours en entier. Donc, j'ai préparé deux résumés concernant la CFA et l'insuffisance cardiaque. Donc, si vous aurez des questions, n'hésitez pas à les poser en fin de cours. Donc, on va commencer par la CFA. Donc, la CFA, c'est une arythmie, donc c'est un trouble du rythme, et c'est le trouble du rythme le plus fréquent. Donc, sa fréquence et sa prévalence augmentent avec l'âge, et au-delà de 70-80 ans, il peut dépasser 10% dans cette tranche d'âge-là. Et vu le vieillissement de la population, on voit qu'il y a de plus en plus de cas d'ACFA, et c'est pratiquement le trouble du rythme qu'on voit le plus, si ce n'est pas pratiquement le seul qu'on voit tous les jours aux urgences. Alors, c'est quoi la CFA? À l'état normal, le nœud sinusal, c'est le seul qui décharge et le reste va répondre à la décharge du nœud sinusal. Malgré que tout le myocarde auriculaire et ventriculaire et toutes les voies de conduction sont dotées d'automatisme, donc toutes les cellules cardiaques sont pratiquement dotées d'automatisme. Mais c'est la loi du plus fort, celui qui a la décharge ou la vitesse de décharge la plus élevée, c'est lui qui commande, c'est le nœud sinusal qui commande à l'état normal. Donc il va décharger, il va activer les oreillettes, dépolarisation auriculaire qu'on voit à l'ECG sous forme d'une onde P, suivie par la suite de l'activité mécanique, c'est la contraction auriculaire. Ensuite, l'influx va passer au niveau du nœud et au niveau des ventricules, il va dépolariser les ventricules, il va donner donc un QRS. Ensuite, c'est la repolarisation ventriculaire, c'est le ST et l'onde T. Ça, c'est l'activité électrique normale du cœur qui est assurée par la seule dépolarisation du nœud et tout le reste va répondre à la dépolarisation du nœud sinusal. Alors, dans le cas de la CFA, donc, il y a une anomalie. Habituellement, soit les oreillettes sont surchargées, elles sont dilatées, il y a une anomalie métabolique et parfois c'est sans cause évidente. Alors, dans ce cas-là, il va y avoir de multiples foyers qui déchargent. On a plusieurs foyers qui déchargent, comme vous les voyez comme ça en rouge, et elles vont décharger à la fois à une fréquence très rapide, de 400 à 600. Donc, c'est nettement plus élevé que la fréquence de décharge du nœud sinusal, donc ils vont étouffer le nœud sinusal. Alors, c'est 400 à 600 par minute. C'est la vitesse de décharge des foyers de la CFA. Aucun n'arrive à dépolariser complètement l'oreillette parce qu'il y a une compétition entre ces foyers-là et chacun va décharger à une fréquence de 400 à 600. Le résultat, c'est qu'il n'y a plus d'onde-P, il n'y a plus d'activité électrique normale, synchrone de l'oreillette. Il y a une disparition de l'onde-P, il y a une trémulation de la ligne de base. Il n'y a pas d'activité au niveau de l'oreillette parce qu'aucun influx parmi ces 400 à 600 n'arrive à dépolariser complètement l'oreillette. Donc, il n'y a plus de systole auriculaire, il n'y a plus de contraction au niveau de l'oreillette. Donc, il y a une perte de la systole auriculaire et une perte du remplissage actif. Ces 400 à 600 influx arrivent au niveau du nœud. Et heureusement, il y a le nœud, il va essayer de filtrer. Sinon, s'il ne filtre pas, ces 400 à 600 passent au niveau des ventricules et c'est la fibrillation et l'arrêt cardiaque. Alors, les 400 à 600, il va essayer de filtrer, il va lutter contre ces 400 à 600, mais de temps en temps, un influx passe. Ces 400 à 600.
Ce qui fait que le rythme est anarchique. De temps en temps, comme ici, il y a un influx qui passe. Ça va donner un QRS, une dépolarisation au niveau des ventricules. Après un certain temps, un deuxième influx passe. Ça va donner donc un autre QRS. Après un autre temps, plus court ou plus long, ça dépend. Il y a un autre QRS et ainsi de suite. Donc, c'est une arythmie ventriculaire. Le rythme ventriculaire est irrégulier. Parmi les 400 à 600, un certain nombre va passer de façon anarchique. Et généralement, le nombre qui passe à l'état habituel sans traitement, c'est entre 100 et 150. Donc, c'est une tachycardie habituelle. Parce qu'au-delà de 100, on parle d'une tachycardie. Et on parle d'une tachy-ACF. Donc, le résultat, c'est quoi? Il n'y a pas d'activité auriculaire. Il n'y a pas de systole auriculaire. Il n'y a pas d'endopée. Trémulation de la ligne de base. Des QRS inéquidistants, anarchiques. Et donc, un rythme ventriculaire irrégulier. Donc, c'est ça la CFA. Alors, quelles sont les conséquences de la CFA? La première conséquence hémodynamique, elle est due à la perte de la systole auriculaire. Donc, il n'y a pas de remplissage actif. Et quand on sait que le remplissage est fait du remplissage rapide, le remplissage lent, qui est pratiquement insignifiant, et le remplissage actif. Alors, le remplissage actif, il représente à l'état habituel jusqu'à 30, voire 40% de l'ensemble du remplissage. Et donc, quand on n'a pas de systole, on va perdre 30 à 40% du volume du remplissage du ventricule gauche et droit. Et donc, le volume de remplissage des ventricules diminue, et donc le volume éjecté diminue, et il y a une tendance à la chute du débit cardiaque. En même temps, comme le sang il va stagner au niveau de l'oreillette, il n'y a pas de passage du sang de l'oreillette vers les ventricules, il n'y a pas de systole. Comme le sang il va stagner au niveau des oreilles, ensuite il va stagner en amont, au niveau de la circulation pulmonaire pour l'oreille gauche et au niveau des veines cave supérieures et inférieures pour l'oreille droite, ça va donner des signes d'insuffisance cardiaque. Donc la première conséquence, c'est la conséquence hémodynamique. Perte de systole auriculaire, diminution du volume de remplissage, tendance à la chute du débit cardiaque. Comme il y a une diminution du volume de remplissage, donc le sang il stagne au niveau des oreillettes, ensuite en amont des oreillettes, et ça va donner les signes de stase et donc les signes d'insuffisance cardiaque. La deuxième conséquence, c'est la conséquence thromboembolique. Donc, le sang, il stagne au niveau de l'oreillette, et l'oreillette, elle va donc tendre à se dilater. Et donc, le sang, il va stagner, il y a une tendance à la formation de thrombus, surtout au niveau de l'auricule. Surtout l'auricule gauche, qui est un cul-de-sac, c'est une poche, où le sang, il a une tendance à stagner à ce niveau-là. Donc, on voit facilement la constitution de thrombus au niveau de l'oreillette gauche au cours d'une ACFA, et un accident embolique peut survenir, notamment l'AVC. Où la CFA est la principale cause d'AVC embolique. Donc, on a deux conséquences, hémodynamique et thromboembolique. Alors, quelles sont les étiologies de la CFA? Il y a plusieurs étiologies. D'ailleurs, c'est pour ça que la CFA est très fréquente. Les premières, ou le premier groupe d'étiologies, ce sont les étiologies cardiaques. Et on voit pratiquement que toutes les cardiopathies peuvent entraîner une CFA. Toute cardiopathie qui peut mettre l'oreillette gauche ou l'oreillette droite, sous pression, surtout l'oreillette gauche, parce que les cardiopathies gauches sont plus fréquentes, peut entraîner une CFA, comme les valvulopathies, notamment les valvulopathies mitrales. Le rétrécissement et l'insuffisance mitrale vont dilater l'oreillette gauche, et donc on aura la naissance de ces foyers arythmogènes, et le passage de la CFA est très, très, très fréquent dans les valvulopathies mitrales. On a la cardiopathie ischémique, parce que dans la cardiopathie ischémique, le ventricule gauche est atteint. Et comme le ventricule gauche est atteint, les pressions vont augmenter d'abord au niveau des ventricules, ensuite l'oreillette. L'oreillette se dilate et on aura une tendance à la CFA. Même chose pour la cardiopathie hypertensive, l'HTA atteint le ventricule, ensuite l'oreillette. Cardiopathie hypertrophique, quand il y a une compression du cœur, comme un épanchement péricardique aigu ou chronique, ou bien quand il y a une atteinte primitive du cœur, comme dans la CMV. Ça, c'est les cardiopathies. Et puis, on a les causes extracardiaques qui sont également fréquentes. Alors, la plus fréquente, c'est l'hyperthyroïdie, ce qui fait qu'on cherche toujours la dysthyroïdie, on fait toujours le bilan thyroïdien au cours d'une CFA. Donc l'hyperthyroïdie peut entraîner une CFA. On a l'intoxication éthylique, ce qu'ils appellent la FA du samedi soir, quand il y a une intoxication éthylique aiguë. On a toute cause de pathologie bronchopulmonaire qui entraîne une hypoxie. Alors, l'hypoxie, c'est l'une des étiologies des foyers arythmogènes. Quand le malade est en hypoxie, surtout s'il est en hypoxie chronique, il y a la possibilité de naissance de ces foyers arythmogènes au niveau de l'oreillette et donc en passage à la CFA. Comme dans la BPCO, l'asthme, l'insuffisance respiratoire, dilatation des bronches, mais au stade avancé, au stade d'hypoxie. On a également les désordres hydroélectrolytiques,
Ce qui fait qu'on demande également l'ionogramme au cours du lancer FA, comme les dyskaliémies, dysnatriémies, dysmagnésiémies, dyscalcémies. Toutes ces anomalies peuvent entraîner une ACF. On a également les chirurgies thoraciques, chirurgie cardiaque et chirurgie pulmonaire. C'est assez fréquent de voir, c'est l'une des principales complications de la phase aiguë de la chirurgie cardiaque, pontage, remplacement valvulaire, remplacement, de, par exemple, de l'aorte ascendante, ou bien les chirurgies pulmonaires. Là également, c'est assez fréquent parce qu'on va toucher au péricarde, on peut toucher au cœur, et donc on peut déclencher une ACF. Et puis, malgré ça, il y a un certain nombre d'ACFA qui restent sans aucune étiologie. C'est ce qu'on appelle l'ACFA ou la fibrillation idiopathique. Elle est assez fréquente chez le sujet jeune. Donc on cherche, il n'y a pas de cardiopathie, il n'y a pas de cause extracardiaque et le malade il fait un ACFA. C'est ce qu'on appelle l'ACFA idiopathique. Alors le diagnostic de cette étude est très facile, sauf si le rythme est très rapide. Donc c'est à l'ECG. À l'ECG, quand on fait un ECG, c'est généralement le diagnostic est fortuit. Le malade il ne ressent aucun symptôme. Ou bien il peut ressentir des palpitations. Alors, quand on fait un ECG, on trouve d'abord le rythme est irrégulier, c'est ce qui est frappant directement à l'œil. Le rythme est irrégulier, les QRS sont inéquidistants, donc l'intervalle entre les différents QRS n'est pas le même, et puis on ne voit pas d'ampé, il y a une disparition d'ampé. C'est suffisant pour dire que c'est une ACF. Le diagnostic parfois est difficile quand le rythme est rapide. Si le rythme est rapide, alors les intervalles deviennent très courts, et parfois ça peut être très difficile. Donc, plus le rythme est difficile, plus le rythme est rapide, pardon, plus le diagnostic devient plus difficile. Mais généralement, le diagnostic est facile à l'ECG. Habituellement, dans une ACFA qui n'est pas traitée, le rythme, il dépasse, la fréquence dépasse 100. Habituellement, c'est entre 100 et 150. C'est pour ça qu'on parle de tachy-ACFA. Alors, quelle est la prise en charge? C'est le volet essentiel de l'ACFA. Donc, il y a deux volets. D'abord, il y a le volet anti-arythmique. Alors, comment je vais prendre en charge ce trouble du rythme? Il y a deux possibilités. Est-ce que je vais essayer de réduire? Ça veut dire que je vais essayer de retourner au rythme sinusal, de faire disparaître les foyers arythmogènes et de retourner au rythme sinusal. On appelle ça réduire une ACFA. Ou bien, est-ce que je vais l'accepter et seulement je vais ralentir? Je vais diminuer la fréquence ventriculaire et je vais ralentir la cadence ventriculaire tout en respectant cette ACFA. C'est deux procédure. Alors, quel est l'avantage et l'inconvénient pour connaître qu'est-ce qu'on va choisir? Alors, quels sont les avantages et l'inconvénient de chacune de ces procédures? Quand on réduit, l'avantage majeur, c'est que je vais contrôler les symptômes, notamment les palpitations. Le malade n'est plus en ACFA et généralement, il n'y a plus de palpitations. Donc, le malade, il se sent très bien. Donc, il y a une réduction de l'AFA. Cependant, les inconvénients, c'est quoi? Le premier inconvénient, c'est que ça peut provoquer une embolie, puisqu'au moment où je vais réduire, l'oreillette elle était sans contraction, subitement, elle va se contracter, et au moment où elle va se contracter, s'il y a un thrombus, ça peut provoquer une embolie. Donc, avant de réduire, il faut s'assurer obligatoirement qu'il n'y a pas de thrombus, sinon on va provoquer une embolie, et toute réduction de FA se fait sous anticoagulant, sous héparine injectable. Le deuxième inconvénient, et c'est l'inconvénient le plus fréquent et le plus important, c'est que ça risque de récidiver. Quand il y a une FA, et je vais la réduire, il y a toujours le risque de récidive. Alors, le risque de récidive augmente si la cause n'est pas traitée et si l'oreille gauche est déjà malade. L'oreille gauche ou l'oreille droite, je parle de l'oreille gauche parce que c'est plus fréquent à gauche. Alors, si l'oreille gauche est déjà dilatée, très dilatée, elle est malade, et la cause, on ne peut pas la traiter, pardon, et la cause, on ne peut pas la traiter, dans ce cas-là, donc, on va voir une récidive patiente. Donc, je répète, quand je réduis, je contrôle bien les symptômes, mais je risque de provoquer une embolie et je risque de voir une récidive d'ACFA, surtout si la cause n'est pas traitée et que l'oreillette, surtout l'oreillette gauche, elle est déjà dilatée. Quels sont les avantages et les inconvénients pour ralentir une FA? Le premier avantage, et c'est le principal avantage, c'est que c'est exactement le même pronostic et la même mortalité qu'une FA réduite. Donc, il ne faut pas penser qu'une FA ralentie, le pronostic est moins bon qu'une FA réduite. Non, c'est exactement le même pronostic. Quand on réduit une ACFA, c'est la même mortalité, c'est le même risque de décompensation, c'est le même risque d'insuffisance cardiaque, etc. Seulement quand on réduit, on va contrôler bien les symptômes, surtout les palpitations. Donc, même pronostic. Et quels sont les inconvénients? C'est qu'on ne contrôle pas les symptômes et le malade, il ressent toujours les palpitations.
Donc, on peut déduire facilement quand est-ce que je choisis de réduire et quand est-ce que je choisis de ralentir. Je réduis à si j'ai les avantages et j'élimine les inconvénients. J'ai l'avantage. Ça veut dire que je réduis chez un patient très symptomatique, qui est gêné par les symptômes. Quand j'élimine le risque d'embolie et j'élimine le risque de récidive, donc quand c'est une cause que je peux traiter et que l'oreillette n'est pas très dilatée. Donc, je répète, je réduis le malade symptomatique, il n'y a pas de risque de récidive, l'oreillette gauche n'est pas très dilatée et la cause, je peux la traiter. Exemple, une CFA du sujet jeune, une oreillette gauche, c'est récent, une oreillette gauche pas très dilatée, je peux réduire. Une ACFA, de la dysthyroïdie, l'hyperthyroïdie, je peux traiter l'hyperthyroïdie de façon curative et l'oreillette gauche, si elle n'est pas dilatée, je peux réduire. Une ACFA de l'IDM, à la phase aiguë, parce que c'est transitoire. Une ACFA de la chirurgie cardiaque, c'est aigu, c'est transitoire. Une ACFA de la chirurgie thoracique, c'est récent, c'est transitoire. Par contre, je ralentis chez un patient où la cause est ancienne et qu'elle n'est pas traitée, par exemple, où on ne peut pas la traiter, et l'oreillette est déjà très dilatée. Exemple, je prends les exemples des valvulopathies. Vous avez un patient, même s'il est jeune, hein, une jeune dame qui a par exemple un RM serré en ACFA, une oreillette gauche qui est déjà très dilatée, je ne vais pas la réduire parce que je sais que même si je la réduis, l'oreillette gauche est dilatée, il y a directement une récidive. Des fois, on voit une récidive immédiate. On réduit le malade le matin et le soir, il y a une récidive. Donc, ça, c'est pour la réduction et le ralentissement d'une ACFA. Ensuite, le deuxième volet, c'est le traitement antithrombotique. Est-ce que je vais anticoaguler ou non le malade pour le but de prévenir les accidents thrombo-embolique? Alors, premièrement, le volet antiarythmique. Alors, si j'ai opté pour réduire une FA, c'est le cas d'une ACFA récente, cause que je peux traiter, une oreillette qui n'est pas très dilatée, etc. Deux questions. Quand est-ce que je vais réduire et avec quoi je vais réduire? Alors, quand je vais réduire? Si la CFA date de moins de 48 heures, je réduis immédiatement. Parce qu'au moins de 48 heures, le thrombus n'a pas le temps de se constituer. Donc, je peux réduire immédiatement. Je sais que le risque de constituer un thrombus au niveau de l'oreillette en moins de 48 heures est très fort. Donc, je peux réduire immédiatement si la CFA date de moins de 48 heures et la réduction se fait toujours sous épargne. Exemple, un patient jeune, il vient aux urgences. Il a des palpitations depuis 12 heures, importantes. On fait un ECG, on tombe sur la CFA. C'est moins de 48 heures, c'est une ACFA. Je fais l'écho, c'est une angine qui n'est pas dilatée, très dilatée, et pas de valvulopathie. Dans ce cas-là, je peux réduire directement sous épargne. Deuxième cas, si je ne sais pas le début de la CFA, je ne le sais pas, ou bien je suis sûr qu'elle dépasse 48 heures. Dans ce cas-là, je ne peux pas réduire immédiatement parce qu'il y a le risque de constitution de thrombus. Et si je réduis immédiatement, je peux provoquer une embolie. Alors, qu'est-ce que je fais? Il y a deux schémas possibles ou deux protocoles possibles. Le premier protocole, c'est que j'attends 3 semaines d'anticoagulation efficace. J'anticoagule le malade pendant 3 semaines par anti-vitamine K, AVK ou AOD, et je le convoque 3 semaines après pour réduire la CA. Deuxième cas, je peux éliminer directement le thrombus, mais pas par écho transthoracique, par écho transœsophagien. Donc, si je veux réduire immédiatement, et que la CFA date de plus de 48 heures, ou je ne sais pas, là, ça, son ancienneté, je fais immédiatement une ETO. S'il n'y a pas de thrombus, je vais réduire cette CFA. Parce que seul l'ETO peut visualiser l'auricule gauche. Voilà pour la première question, quand est-ce que je vais réduire? La deuxième question, avec quoi je vais réduire? Alors, il y a deux protocoles. Je peux réduire soit avec choc électrique externe, le malade est convoqué, ou bien il est hospitalisé en hôpital du jour, courte anesthésie générale en masque, et on fait un choc électrique externe. Il faut vérifier au préalable la calinie. Donc, il ne faut pas que le malade soit en dyscalinie, surtout en hypocalinie. Ça peut provoquer des troubles du rythme si on choque le malade alors qu'il a une dyscalinie. Il faut également arrêter les digitalines au moins 3 jours pour la digoxine et 7 jours pour la digitaline. Bon, la digitaline n'est plus utilisée, on va dire 3 jours. Il faut arrêter les digitalines depuis au moins 3 jours avant de faire le choc électrique externe, parce qu'on peut provoquer, dans les deux cas, sous digoxine ou quand il y a une hypokalémie, on peut provoquer des troubles du rythme grave. Ou bien on peut réduire avec des médicaments. Alors, il y a deux médicaments disponibles chez nous, c'est la cordarone, la myodarone et la flécaïne. Alors, deux antiarythmiques.
L'amiodarone, l'avantage, c'est qu'on peut l'utiliser quel que soit l'état cardiaque. L'inconvénient, c'est qu'elle a beaucoup d'effets secondaires, dystéroïdie, dépôt cornéen, photosensibilité, fibrose pulmonaire, etc. La flécaïne, l'avantage, c'est qu'elle n'a pas beaucoup d'effets secondaires, mais on ne peut l'utiliser que lorsque le cœur est normal, il n'est pas pathologique, il n'y a pas de cardiopathie ischémique, etc. Pour la codarone et la flécaïne, la dose habituelle de la codarone, c'est une dose très élevée, 30 mg par kilo. La codarone, c'est des comprimés à 200, 30 mg pour quelqu'un, par exemple, qui pèse 60, ça tombe 1800, donc 9 comprimés à la fois. Le malade vient, il prend 9 comprimés de codarone, s'il pèse 60, par exemple, il va prendre 9 comprimés et on attend la réduction. Pour la flécaïne, la dose habituelle, c'est 2 comprimés. Ça, c'est pour la réduction médicamenteuse ou électrique, et là, on a le choix. Alors, si j'ai opté pour ralentir une FA, c'est une FA ancienne, la cause est là, valvulaire par exemple, on ne l'a pas traité, l'oreillette gauche est très dilatée, donc il n'y a pas de chance vraiment de réduire une FA dans ce cas-là, je vais tenter de la ralentir seulement. D'autant plus que je sais, si je la ralentis, c'est le même pronostic qu'une FA réduite. Avec quoi je peux ralentir? Alors, si les patients, ou le patient, il a une FEVG au-delà de 40, il n'a pas de dysfonction VG systolique, fraction d'éjection au-delà de 40, j'ai le choix entre trois molécules, c'est les bradycardisants bêta-bloquants, inhibiteurs calciques bradycardisants, le tildien, alors le verapamil n'est pas disponible chez nous, c'est l'isoctine. Alors on a le tildien, le diltiazem. Ce n'est pas le loxane, hein, ce n'est pas la micardipine. La micardipine, il est utilisé dans les poussées hypertensives, dans le traitement de l'HTA. Donc c'est un inhibiteur calcique à effet vasculaire, donc il n'est pas à effet cardiaque. Donc il faut prendre les inhibiteurs calciques à effet cardiaque. Bradycardisant, le ce qu'on a chez nous, c'est le diltiazem, c'est le tildien. Ou bien le bêta-bloquant, ou bien la doxy. Quand on choisit un diltiazem, on a bien un TNF. On peut associer deux, voire les trois. Si la fraction d'éjection est au-delà de 40. En cas de fraction d'éjection inférieure à 40, il est en dysfonction VG. Dans ce cas-là, les inhibiteurs calciques sont contre-indiqués. Qu'est-ce qu'on peut choisir? Soit entre bêta-bloquant, mais d'insuffisance cardiaque, ce n'est pas n'importe quel bêta-bloquant. Et on va le voir dans le cours d'insuffisance cardiaque, dans le résumé d'insuffisance cardiaque, ou bien la digoxine, ou bien on associe les deux. Alors, si le malade ou le cœur est très malade, il y a une instabilité hémodynamique, ou bien la FEVG est très très basse, dans ce cas-là, souvenez-vous, il y a un seul antiarythmique qu'on peut utiliser pour réduire ou pour ralentir, quel que soit l'état cardiaque, c'est la corde. L'avantage de la cordarole, c'est qu'on peut l'utiliser quel que soit l'état cardiaque. Mais l'inconvénient, c'est qu'il y a beaucoup d'effets secondaires. Donc, elle est uniquement envisagée quand la FEVG est très basse pour ralentir. Hein. Ce n'est pas pour réduire. Pour ralentir, l'amiodarone peut être envisagée chez les malades qui ont une FEVG très basse ou un état hémodynamique instable. C'est l'exemple qu'on voit aux urgences. Un malade il vient une tachyacéafa, il est en état de choc, la tachyacéafa. Quand je veux ralentir et que la FEVG est très basse, instable hémodynamique, je peux utiliser la cordarone injectable pour ralentir. Alors, quel est l'objectif? L'objectif, ce n'est pas de diminuer de façon très importante la CFA. Alors, l'objectif, c'est d'avoir ce qu'on appelle le contrôle lâche de la fréquence cardiaque. Donc, c'est d'avoir une fréquence cardiaque inférieure à 110. Quand on a une fréquence cardiaque inférieure à 110, c'est suffisant. On ne vise pas de diminuer de façon très importante la fréquence cardiaque. Quand on est déjà à moins de 110, on est très bien. Et on va dire que c'est la même chose que si on a réduit la CFA. Alors, le volet antiarythmique, on a terminé. On arrive au volet antithrombotique. Alors, le volet antithrombotique, une CFA, il y a le risque thromboembolique. Il est évalué par le score Schatz-Vasc. Et si on met le traitement anticoagulant, il y a le risque hémorragique. Il est évalué par le score As-Bled. Donc, il faut connaître les deux scores. Pour connaître est-ce que je vais anticoaguler ou non le malade. Donc le score thromboembolique Schatz de Vasc et le score hémorragique, c'est le score As-Bled. Alors le score Schatz de Vasc, c'est une abréviation. Le premier, c'est insuffisance cardiaque, dysfonction VG, un point. Deuxième H, le deuxième lettre, pardon, la deuxième lettre, c'est H, c'est l'hypertension. Le premier A, c'est deux points, l'âge au-delà de 75 ans. Le deuxième A, c'est l'âge entre 65 et 75 ans. Entre 65 et 75 ans, c'est un point. Au-delà de 75 ans, c'est deux points. Et puis D pour diabète, S pour stroke,
ces deux points, quand il y a un AVC, un antécédent d'AVC ou d'AIT. Le malade a déjà fait un AVC ou l'AIT sous la CFA. V pour maladie vasculaire et SC pour sexe féminin, sexe catégorie. SC en anglais, c'est sexe catégorie, c'est le sexe féminin. Catégorie, c'est le sexe féminin. Alors pour résumer ça, on considère qu'il y a un risque thromboembolique à partir de 1 point chez les hommes et 2 points chez la femme. Parce que la femme, elle a déjà 1 point. Donc une femme, si elle est âgée de plus de 65 ans, ou bien si elle a une maladie vasculaire, ou bien si elle a un antécédent d'AVC ou d'AIT, ou si elle est diabétique, ou si elle est hypertendue, ou si elle a de l'insuffisance cardiaque, le risque est élevé. Même chose pour l'homme. S'il a de l'insuffisance cardiaque, diabétique ou HTA, ou l'âge au-delà de 65 ans, ou maladie vasculaire, son risque est élevé. Donc les hommes et les femmes de moins de 65 ans qui n'ont ni de maladie vasculaire, ni de diabète, ni d'HTA, ni d'antécédent d'AVC ou d'AIT, sont considérés à risque zéro, sans risque cardiovasculaire ou sans risque thromboembolique. Alors, le score ASBLED est utilisé pour évaluer le risque hémorragique. Et malheureusement, c'est les mêmes facteurs de risque thromboembolique qui sont des facteurs de risque hémorragique, comme l'hypertension, antécédent d'AVC, d'AIT, l'âge, etc. Alors, les facteurs de risque hémorragique, on les cherche dans le but de chercher ce qu'on appelle les facteurs qu'on peut traiter, comme l'HTA. Donc, quand on met le malade sous anticoagulant, il faut traiter l'HTA. Sinon, s'il fait des pics hypertensifs, alors qu'il prend des anticoagulants, ça risque de saigner le malade. Ou bien quand il prend des drogues ou de l'alcool. Les drogues, c'est les médicaments qui favorisent les hémorragies, comme les anti-inflammatoires non stéroïdes, les corticoïdes, etc. Donc, en aucun cas, ce score hémorragique va contre-indiquer le traitement. Mais quand il y a un score hémorragique élevé, on essaye de rechercher les facteurs qu'on peut traiter et on va les traiter. Alors, quelle est la conduite à tenir? C'est très, très facile avec les recommandations. Alors, si c'est une CFA valvulaire, ça veut dire un patient qui a de la CFA, alors qu'il a une prothèse valvulaire mécanique ou NRM au modèle. C'est ça la CFA valvulaire. RM modèle ou prothèse. Dans ce cas-là, on anticoagule. On cherche le score directement en anticoagule et uniquement par AVK. Les AOD sont contre-indiqués dans ce cas-là. AVK, si c'est une CFA valvulaire, prothèse RM. Si ce n'est pas une prothèse, c'est pas là. Dans ce cas-là, je vais voir le score Schatzmask. Si c'est un homme ou une femme, zéro, la femme, même si c'est un point, femme uniquement, ou un homme qui n'est pas diabétique, il n'est pas hypertendu, il n'a pas d'insuffisance cardiaque, il n'a pas d'antécédent d'AVC ou d'AIT, il n'a pas de maladie vasculaire. Donc c'est zéro. Dans ce cas-là, on n'anticoagule pas et on ne donne pas d'antiagrégant parce qu'on continue à faire le risque de l'aspirine à la place des AVK, par exemple, contre le risque. Non, c'est formellement contre-indiqué. Soit rien, soit anticoagulant. Alors, contre le risque est faible, on ne donne rien. Si le risque est élevé à partir d'un point, le risque est élevé si l'âge dépasse 65 ans, s'il est diabétique, s'il est hypertendu, ou s'il a de l'insuffisance cardiaque, ou s'il a une maladie vasculaire, ou un antécédent d'AVC ou d'AIT. Dans ce cas-là, on va anticoaguler et on a le choix. AOD en premier choix. On préfère les AOD, les anticoagulants en direct, ou bien les AVK. On pointe les AVK. Sinon, les AOD en premier lieu, parce qu'on n'a pas besoin de surveiller l'INR, c'est plus facile, il n'y a pas d'interaction avec l'alimentation, etc. Voilà pour l'algorithme de prise en charge de la CFA. Alors, comment c'est l'insuffisance cardiaque? Un petit rappel sur le fonctionnement cardiaque. Pardon. Alors, le cœur, il va assurer le débit cardiaque. Donc le cœur, il a une double fonction. En systole, il va éjecter, c'est le volume d'éjection. Et en diastole, il va se relâcher. C'est la relaxation et la compliance. C'est très important. En diastole, il doit se relâcher pour recevoir le son des oreillers. Il faut qu'il y ait une bonne relaxation pour recevoir le son. Ensuite, il faut qu'il y ait une bonne éjection pour éjecter le son, pour avoir un bon fonctionnement. Alors, s'il y a une atteinte de la fonction diastolique, il n'y a pas un bon remplissage. Il n'y aura pas une bonne éjection et le son il va stagner. C'est l'insuffisance cardiaque. Même chose, s'il n'y a pas une bonne éjection, il n'y a pas de bonne fonction systolique, même s'il y a une bonne relaxation, s'il n'y a pas de bonne éjection, le débit cardiaque va diminuer et le résultat est le même. Donc il y a une insuffisance cardiaque, un mauvais fonctionnement. Quand il y a une mauvaise relaxation ou compliance, c'est l'atteinte de la fonction diastolique et une mauvaise éjection par atteinte de la fonction systolique. Alors, l'insuffisance cardiaque, c'est l'incapacité du cœur à assurer un débit normal
dans les conditions habituelles. Alors, pour l'ESC, selon les dernières recommandations, pour parler d'insuffisance cardiaque, il y a deux critères. Le premier critère, il faut que le malade présente des symptômes. Soit il a déjà présenté, ou bien il présente actuellement. Il n'y a plus de terme d'insuffisance cardiaque latente, sans aucun symptôme. Donc, il faut qu'il y ait des symptômes, soit actuels, soit dans le passé, des symptômes évocateurs. On va voir quels sont les symptômes évocateurs d'insuffisance cardiaque. Et deuxièmement, il faut qu'il y ait la preuve de l'atteinte cardiaque, de ce qu'on a dit, une atteinte de la fonction systolique et ou de la fonction diastolique. Et la preuve se fait par des examens d'imagerie. Et le meilleur examen, c'est l'échocardiographie. Parce que c'est anodin, c'est disponible partout, c'est pas très cher. Bon, le meilleur examen pour voir le cœur, c'est l'IRM cardiaque. Mais on ne peut pas quand même demander une IRM cardiaque pour toute insuffisance cardiaque ou pour toute suspicion d'insuffisance cardiaque. Le plus disponible, le moins cher, c'est l'échocardiographie. Donc la préférence est donnée à l'échocardiographie. Donc deux critères, symptômes plus la preuve d'une atteinte de la fonction systolique et ou diastolique. Alors, quelle est la classification de l'insuffisance cardiaque? On peut classer l'insuffisance cardiaque selon plusieurs critères. Premier critère, c'est la localisation. Alors, le cœur gauche est atteint. Quand le cœur gauche est atteint, il y a toujours une stase en amont. En amont du cœur gauche, l'oreillette gauche, c'est les veines pulmonaires et l'artère pulmonaire. Donc, on aura des congestions, de la congestion des signes congestifs au niveau des poumons. Et ça va donner de la dyspnée. Parce que les poumons sont surchargés de liquide, mauvaise oxygénation, le malade est étouffé par le liquide, il aura de la dyspnée d'effort, de l'orthopnée et des râles crépitants à l'auscultation. Ça, c'est les signes congestifs pulmonaires. Quand c'est le cœur droit qui est malade, le sang il va stagner en amont, avant l'oreillette droite, du cœur droit. Qu'est-ce qu'il y a? C'est les veines caves supérieures et inférieures, et on aura des signes congestifs veineux. Turgescence, des veines jugulaires, le flux, œdème, acide, hépatomégalie, etc. Et quand il y a l'association des deux, on parle d'une insuffisance cardiaque globale. Bien sûr, il ne faut pas attendre l'association de tous les signes pour parler d'insuffisance cardiaque gauche. La présence d'un seul signe va faire penser à l'insuffisance cardiaque gauche ou droite. Et quand il y a l'association de 1 ici et de 1 par là, on parle d'une insuffisance cardiaque normale. Alors, selon l'atteinte de la fonction systolique ou diastolique, on parle d'une insuffisance cardiaque systolique ou à fraction d'éjection réduite quand c'est une atteinte de la fonction éjection systolique. Et dans ce cas-là, à l'écho, on trouve une fraction d'éjection inférieure à 40. La fraction d'éjection normale, c'est supérieur ou égal à 50. Quand le malade il a une atteinte de la fonction diastolique, la relaxation de la confiance, on parle d'une insuffisance cardiaque diastolique ou insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, FE préservée, avec une FEVG supérieure ou égale à 50. Entre 40 et 50, c'est intermédiaire. On parle d'une insuffisance cardiaque intermédiaire ou à FE modérément réduite. Donc inférieur à 40, FE systolique par FE basse. Au-delà de 50, c'est insuffisance cardiaque diastolique ou à FE conservée. Entre les deux, c'est l'insuffisance cardiaque intermédiaire. Et puis, selon l'évolution, on a l'insuffisance cardiaque stable. C'est un patient qui est stable, ça veut dire qu'il a soit des symptômes stables, il a une dyspnée, mais elle est stable, il n'y a pas d'aggravation. Ou bien le patient est complètement asymptomatique par le traitement. Dans ce cas-là, le malade, il est stable. Généralement, il ne consulte pas, il est suivi en consultation, il ne consulte pas aux urgences. Donc c'est un malade qui est stable, ça veut dire qu'il voit ses symptômes stabilisés, il n'y a pas eu d'aggravation. À partir du moment où il y a une aggravation, aggravation soit du même symptôme ou apparition de nouveaux symptômes, dans ce cas-là, on va parler d'insuffisance cardiaque décompensée ou décompensation cardiaque. Si cette aggravation survient de façon rapide et brutale, on parle d'une insuffisance cardiaque aiguë. L'exemple type, c'est l'OAP. Décompensation brutale, aiguë, avec une dyspnée de repos et l'orthopnée, l'OAP. Alors, il ne faut pas confondre insuffisance cardiaque et insuffisance ventriculaire. Il ne faut pas mélanger les deux termes. Alors, l'insuffisance cardiaque, c'est quand le cœur, c'est un tout. C'est le tout, c'est l'insuffisance cardiaque. On dit par exemple l'insuffisance cardiaque gauche. Le cœur gauche ne fonctionne pas bien, et donc congestion pulmonaire. Cette insuffisance cardiaque gauche, si c'est le ventricule qui est malade, on va dire c'est une insuffisance cardiaque gauche par insuffisance ventriculaire gauche. Exemple dans l'IDM. Mais l'insuffisance cardiaque gauche n'est pas obligatoirement due au ventricule. On donne l'exemple, par exemple, du RM, le rétrécissement mitral. Les pressions vont monter au niveau de l'oreillette gauche. Ensuite, au niveau de la circulation pulmonaire, ça va donner de la dyspnée, de l'orthopnée, etc. C'est une insuffisance cardiaque gauche, mais le ventricule gauche est normal. Donc, on va dire insuffisance cardiaque gauche sans IVG.
Donc, il ne faut pas confondre insuffisance cardiaque et insuffisance ventriculaire. L'insuffisance cardiaque, c'est un tout. L'insuffisance ventriculaire, c'est une partie de l'insuffisance cardiaque. Alors, quels sont les mécanismes d'insuffisance cardiaque? Alors, les facteurs déterminant le débit cardiaque sont connus. D'abord, le volume imposé aux ventricules et les diastoliques, c'est la précharge. Plus la précharge est élevée, selon la loi de Starling, plus l'éjection est importante, jusqu'à une limite, qu'on appelle la limite de Starling. Si on augmente le volume, au contraire, le débit va diminuer à partir de cette limite, qu'on appelle la limite de Frank-Starling. La post-charge, c'est l'ensemble des résistances ou les obstacles imposés à l'éjection. Plus la post-charge augmente, plus le débit va diminuer. L'inotropisme, c'est la force contractile. La force contractile, plus la force contractile diminue, plus le débit va diminuer. Donc, les mécanismes d'insuffisance cardiaque, c'est dû soit à une diminution de l'inotropisme, la contractilité, dans ce cas-là, c'est une altération de la fonction éjection systolique. C'est pratiquement la plus fréquente, comme dans le cas des cardiopathies ischémiques, IDM, CMV, etc. Ça, c'est l'atteinte des ventricules. Il y a une diminution de l'éjection, une diminution de l'inotropisme. Deuxième cas, c'est l'augmentation importante de la précharge. Donc, c'est une surcharge de volume. Surcharge de volume, comme dans les fuites valvulaires, IM, IAO, à gauche, IT, IT, IP, à droite. C'est les fuites valvulaires qui vont surcharger en volume les ventricules. Ça va augmenter de façon très importante la précharge et ça diminue par la suite le débit cardiaque. Le troisième mécanisme, c'est l'augmentation de la post-charge, l'augmentation des résistances. Par exemple, augmentation des résistances à gauche, l'HTA. Augmentation des résistances à droite, l'HTAP, hypertension artérielle pulmonaire, ou l'embolie pulmonaire, c'est un obstacle à l'éjection. La CMH, cardiomyopathie hypertrophique, c'est une obstruction au niveau du ventricule gauche. Ça peut entraîner une obstruction et donc une augmentation de la post-charge. Donc voilà les trois mécanismes et les principales étiologies, on peut les déduire. On peut déduire les principales étiologies de l'insuffisance cardiaque. Alors, les mécanismes de compensation, toute insuffisance cardiaque peut entraîner par la suite une diminution du débit. C'est la définition. Ensuite, ça va entraîner une hypotension et une hypoperfusion, d'où l'activation des systèmes de compensation. Alors, le système de compensation le plus important, c'est la stimulation neurohormonale. On a deux systèmes essentiellement activés, le système sympathique et le système rénino-angiopoïétique. Alors, le système sympathique peut entraîner une tachycardie. Donc, action chronotrope positive. Le débit cardiaque, c'est le volume d'éjection fois la fréquence cardiaque. Quand on a une accélération de fréquence cardiaque, on va augmenter le débit. Donc, action chronotrope négative. Plus sympathique, il a une action inotrope positive. Il augmente la contractilité. Donc, il augmente le volume d'éjection. En même temps, l'action principale, son action principale, c'est la vasoconstriction périphérique au dépend de la peau et du rein. Ça veut dire qu'il va privilégier le cerveau et le cœur et il va diminuer le débit de la peau et du rein. Il va redistribuer le flux vers les organes normaux. Le deuxième système, c'est le système rénino-angiotensine aldostérone qui, par le biais de l'angiotensine 2, puissante hormone vasoconstrictrice, va faire la même chose, redistribution du flux vers les organes nobles. Et l'aldostérone est une hormone qui va entraîner une rétention hydrosodée, donc ça va augmenter la précharge et puis ça augmente le débit selon la loi de Frank-Starling. Ça, c'est les deux systèmes qui sont activés. Mais malheureusement, les deux systèmes de compensation vont augmenter le débit de façon temporaire, mais ils vont rapidement aggraver l'insuffisance cardiaque. Parce que les deux systèmes, on a vu le système nerveux sympathique, il va augmenter la fréquence cardiaque, donc il va augmenter la demande d'oxygène du myocarde, alors que le myocarde est déjà dans une situation critique. Deuxièmement, les deux systèmes augmentent la vasoconstriction, donc ça va entraîner une augmentation de la post-charge, une augmentation de la post-charge. En même temps, le système rénino-angiotensine aldostérone va augmenter la volémie, parce que l'aldostérone va entraîner une rétention hydrosodée, donc ça va augmenter la précharge. Alors on va aggraver l'insuffisance cardiaque par augmentation de la précharge, par augmentation de la post-charge, et par l'accélération de la cardiopathie, et ainsi de suite, et on va créer le cercle vicieux. C'est pour cela que pour rompre ce cercle vicieux, il faut obligatoirement bloquer les systèmes de compensation. Les systèmes de compensation vont augmenter le débit de façon très temporaire. Ensuite, ça aggrave la cardiopathie qui va ensuite créer le cercle vicieux. Donc, il faut rompre le cercle vicieux en bloquant les deux systèmes. Bloqueur du système nerveux sympathique, les bêta-bloquants,
Les bloqueurs du système renin-angiopensine-aldostérone, IEC, ARA2, anti-aldostérone. C'est les seuls médicaments qui ont prouvé qu'il y a un effet positif sur la mortalité et sur le pronostic. C'est-à-dire que si on veut améliorer réellement le pronostic, il faut rompre ce cercle vicieux, il faut donc bloquer ces deux mécanismes. Alors, le diagnostic, on commence par le diagnostic clinique de l'insuffisance cardiaque. À gauche, la congestion est au niveau pulmonaire. Donc, le max symptôme, c'est la dyspnée d'effort qui s'aggrave en fonction de la calcification amidale cachant. Ça peut s'aggraver, ça va donner de la dyspnée paroxystique, surtout nocturne, c'est plus spécifique. Le malade est réveillé en pleine nuit par une asphyxie, il est étouffé, parce que la nuit, il est en position allongée, le retour veineux augmente, et donc le volume augmente au niveau des poumons, et hop, il est brutalement réveillé par cette dyspnée qu'on appelle la dyspnée paroxystique nocturne. Et au pire, il aura une orthopnée, impossibilité complète de se mettre en position allongée, qui est le symptôme le plus typique. On a d'autres symptômes moins typiques, asthénie, fatigue. Parfois, la dyspnée est remplacée par une toux, parfois même par une toux sifflante, comme un asthme, qu'on appelle l'asthme cardiaque. Et chez des sujets âgés, on peut voir une altération de l'état général et des signes cérébraux cognitifs et l'obnubilation. Alors, à droite, la congestion est à droite, on voit beaucoup plus des hépatalgies. Et comme le sang stagne au niveau donc de la circulation veineuse, il y a une mauvaise oxygénation des muscles et on aura une asthénie. Donc, asthénie et hépatalgie et dyspnée. Retenez surtout la dyspnée, surtout l'orthopnée, très évocatrice des insuffisances cardiaques gauche et les hépatalgies et asthénie pour l'insuffisance cardiaque droite. Alors, les signes physiques, le maître symptôme, c'est les reins crépitants à gauche parce qu'il y a une surcharge. Et quand le liquide il va sortir vers les alvéoles, ça commence à sortir, ça va donner des reins crépitants. On a également le B3, un bruit de remplissage protodiastolique. On a le choc de pointe déviant en baille à gauche parce que le ventre gaucher dilaté, et comme le VG peut être dilaté, déviant en bas à gauche, quand le VG est dilaté, le choc de pointe est déviant en bas à gauche, on peut également trouver le souffle d'insuffisance mitrale fonctionnelle, une tachycardie, on peut même trouver un épanchement pleural, surtout transsudatif. Alors à droite, c'est très simple, c'est une surcharge au niveau des veines caves supérieures ou inférieures, reflux, turgescence, jugulaire, reflux hépato-jugulaire, une hépatomégalie, foie très sensible avec un foie cardiaque qu'on appelle foie cardiaque. Alors, à la palpation, le foie cardiaque ou l'hépatomégalie, c'est le signe de Harzer. Œdème des membres inférieurs, ascites. Et quand il y a une HTAP, qui est une étiologie de l'insuffisance cardiaque droite, on va trouver l'éclat de B2 au foyer pulmonaire. Et quand le ventricule droit est dilaté, on a le souffle d'insuffisance tricuspide fonctionnel qui augmente à l'inspiration, qu'on appelle le signe de Rivero-Carvalho. Donc voilà, il ne faut pas s'attendre à voir le tableau complet. Retenez surtout les signes les plus importants, dyspnée, orthopnée, dyspnée paroxystique fonctionnelle gauche, crépitant B3, orphysite gauche. Alors à droite, ça c'est simple à retenir, turgescence, reflux, hépatomégalie, acide, etc. Et pour les signes fonctionnels, c'est surtout les hépatages. Alors les examens paracliniques, le téléthorax et le CG, les deux examens, premier généralement qu'on demande aux urgences ou bien même en consultation. Alors, pour l'insuffisance cardiaque gauche, on peut trouver une dilatation des cavités gauches, VG-OG, et la surcharge pulmonaire. Donc, l'insuffisance cardiaque gauche, le sang, il stagne au niveau des poumons, on a des signes de surcharge pulmonaire. Alors, pour l'insuffisance cardiaque droite, on a une dilatation des cavités droites, et au contraire, quand le cœur droit ne fonctionne pas bien, il n'éjecte pas bien, donc on aura une hypovascularisation pulmonaire. Donc là, il y a une hypervascularisation à gauche, et là, il y a une hypo, sauf si. L'insuffisance cardiaque droite est une évolution de l'insuffisance cardiaque gauche. Parce que, souvenez-vous que l'insuffisance cardiaque droite est dans la grande majorité des cas l'évolution de l'insuffisance cardiaque gauche. Quand il y a une surcharge pulmonaire, la stase va augmenter au niveau de l'artère. Ensuite, ça arrive au niveau du VD, ça va donner l'insuffisance cardiaque globale. Dans ce cas-là, on a toujours la surcharge. Mais si le point de départ est purement à droite, donc c'est une insuffisance cardiaque droite isolée, dans ce cas-là, on aura une hypovascularisation pulmonaire. Alors, le CG à gauche, il y a une dilatation des cavités gauches, donc on peut trouver l'HVG, l'HAG, les blocs de branche gauche et les troubles du rythme. Et à droite, dilatation des cavités droites, donc on va chercher l'HAD et l'HVG, hypertrophie auriculaire droite, hypertrophie ventriculaire droite. Quels sont les signes au téléthorax d'une dilatation des cavités gauches? Alors, l'arc inférieur gauche, c'est le ventricule gauche, donc quand il est dilaté, c'est l'arc inférieur gauche allongé avec une pointe plongeante sous-diaphragmatique. L'oreillette gauche, elle n'est pas visible sur le téléthorax de face.
Et quand elle est dilatée, elle arrive au niveau de l'arc moyen gauche et de l'arc inférieur droit. Elle va donner le double bosse de l'arc moyen gauche et le double contour de l'arc inférieur droit. Donc, oreillette gauche, là, elle est en pointillé avec la main. Plus elle se dilate, plus elle arrive au niveau des deux arcs. Arc moyen gauche et arc inférieur droit pour donner le double bosse à gauche et le double contour à droite. Alors, on a la dilatation des cavités gauches et on a la surcharge pulmonaire. Le premier signe de surcharge pulmonaire, c'est la redistribution vasculaire vers les sommets, c'est-à-dire les vaisseaux qui se dirigent vers les sommets. Vous voyez la direction des vaisseaux vers le haut. À l'état normal, un sujet normal qui n'a pas de sens cardiaque, les vaisseaux se dirigent vers le bas parce que les bases sont plus perfusées par rapport au sommet. Mais dès qu'il y a une insuffisance cardiaque, comme les sommets sont plus ventilés, il y a plus d'oxygène au niveau des sommets. Et comme le sang stagne, il essaie une nouvelle source d'oxygène, il y aura une redistribution vers les sommets. Donc les vaisseaux vont se diriger comme ça, vers les sommets. Le premier signe, c'est la redistribution vasculaire vers les sommets. Ensuite, le liquide stagne au niveau de la circulation pulmonaire, il va essayer de sortir, parce que la pression hydrostatique va dépasser la pression oncotique. Et puis le liquide va sortir d'abord vers l'interstitium, ça va donner le derme interstitiel, sous forme de petites images, comme ces images-là que vous voyez, réticulonodulaires, des petites lignes, des petits cheveux avec des petits points, images réticulonodulaires, parfois directement des lignes, vous voyez là des lignes directes, c'est ce qu'on appelle les lignes B, le Kerley, B pour basal au niveau de la base, ligne de Kerley, et puis la scissurie, vous voyez cette image-là de scissurie. Contre la scissure, alors seule la petite scissure est visible sur le face, la grande scissure est visible sur le profil. Donc là, c'est une image de scissurie, c'est une image d'œdème interstitiel. Donc ça, c'est les trois signes d'œdème interstitiel. Et une fois l'œdème arrive au niveau de l'alvéole, ça va donner l'image d'OAP, c'est le flou hilaire, comme ça, en aile de papillon. Donc des opacités de part et d'autre, et ça va donner une image en aile de papillon. Donc voilà les signes pothéréthorax d'une surcharge pulmonaire de l'insuffisance cardiaque gauche. Donc, l'insuffisance cardiaque droite, quand le VD est dilaté, l'arc inférieur droit, l'arc inférieur gauche, pardon, est allongé avec une pointe sus-diaphragmatique en sabot. Et quand l'OD est dilaté, il y a un débord de l'arc inférieur droit. Donc, débord de l'arc inférieur droit pour l'OD, arc inférieur gauche allongé avec une pointe sus-diaphragmatique pour le VD. Alors, à l'ECG, qu'est-ce qu'on a dit? On a trouvé les HVG à gauche. Alors l'HVG, le critère principal de l'HVG, c'est l'augmentation des indices, notamment les indices de Sokolov, S en V1, R en V5, V6. Donc on a l'augmentation de l'onde S en V1 et de l'onde R en V5, V6. Alors il y a la différence entre surcharge de volume, qui va donner ce qu'on appelle la surcharge diastolique, et surcharge de pression, ça va donner une surcharge systolique à l'ECG. Donc, quand il y a une surcharge de volume, comme dans les fuites valvulaires, augmentation de la précharge, ça va donner une HVG diastolique. Alors, surcharge de volume, onde Q qui augmente d'amplitude, à gauche, le 6, et une onde T qui est positive. Alors, la surcharge de pression, quand il y a une augmentation de la postcharge, comme dans l'HTA, l'embolie, les CAMH, etc. L'embolie, pardon, c'est pas l'embolie, c'est l'HTA et l'HCAMH. L'embolie, c'est à droite. Alors, quand il y a une surcharge de pression, augmentation de la post-charge pour le ventre et le gauche, il y aura au contraire, c'est le contraire de l'HVG diastolique, disparition de l'onde Q en V5-V6 avec une onde T négative. Ça, c'est les signes d'HVG. Pour parler d'abord d'HVG, c'est l'augmentation des indices. Et pour faire la différence entre HVG systolique par surcharge de pression, diastolique par surcharge de volume, on voit l'onde Q et l'onde T. Alors, l'HVD, qu'est-ce qu'elle va faire l'HVD? Il va avoir une déviation axiale droite. Donc, l'axe est dévié à droite, à plus 90. Et augmentation de l'amplitude de l'onde R en V1. Normalement, il y a une petite onde R, il y a une petite positivité à droite. Plus le VD est dilaté, plus l'onde R va augmenter d'amplitude. Parfois même, il y a une onde R exclusive, comme dans ce cas-là. Et l'image en V6, c'est l'augmentation de l'onde S. Normalement, il y a une petite onde S où il n'y a pas du tout d'onde S en V5, V6. Il y a une petite onde R, il n'y a pas du tout d'onde S en V5, V6 ou une petite onde S. Alors, dans l'HVD, c'est le contraire. On aura une augmentation de l'amplitude de l'onde R en V1, V2, et on aura une augmentation de l'amplitude de l'onde S en V5, V6. Alors, pour les hypertrophies auriculaires gauche et droite, c'est très simple également à retenir, parce qu'on cherche l'HAG pour l'insuffisance cardiaque gauche et l'HAB pour l'insuffisance cardiaque droite.
Le nœud sinusal, il est au niveau du toit de l'oreillette droite. Il va activer l'oreillette droite selon le vecteur vertical. Vous voyez en bas, c'est le vecteur vertical du haut vers le bas. Il va activer l'oreillette gauche de la droite vers la gauche. C'est le vecteur horizontal. Alors, si on prend l'onde P, le vecteur vertical, ça, c'est l'amplitude du haut vers le bas de l'onde P. Le vecteur horizontal, c'est la durée. Ça, c'est la durée de l'onde P. Et ça, c'est l'amplitude. Donc, s'il y a une HAD, on aura l'augmentation du vecteur vertical et donc de l'amplitude, amplitude au-delà de 2,5 mm. S'il y a de l'HAG, c'est l'augmentation de la durée, parce que c'est le vecteur horizontal et c'est la durée, au-delà de 0,12. Si c'est les deux, augmentation de l'amplitude et de la durée, c'est l'hypertrophie bi-auriculaire. Alors, quel est l'algorithme diagnostique devant la suspicion d'une insuffisance cardiaque? Alors, le diagnostic a été également très simplifié. On a rajouté le dosage des peptides natriurétiques. Avant, ça a été plus simple. On fait l'examen, on fait le CG, et si on suspecte, il y a un seul signe. Par exemple, le malade a une prédisposition, il a un signe clinique ou un signe fonctionnel, ou bien il y a une anomalie à l'ECG, HVG, HVD, etc. D'emblée, on fait l'écho. On va chercher l'ampleur de l'atteinte de la fonction systolique et diastolique. Parce que souvenez-vous, toujours, diagnostic d'insuffisance cardiaque, symptômes plus preuve de l'atteinte de la fonction systolique ou diastolique. Mais pour ne pas demander des échocardios pour n'importe quel symptôme, ça a été plus simplifié, on va dire, mais on ne va pas très simplifier, mais pour faire le triage par le dosage des peptides natriurétiques. Alors, si on suspecte par la présence de symptômes ou d'un ECG pathologique, on va demander le dosage des BNP ou NT-proBNP s'ils sont disponibles. Alors, si les BNP, NT-proBNP sont positifs, là, on ne peut pas retenir le diagnostic. Il y a une indication à l'écho. Mais si les peptides natriurétiques sont négatifs, on est presque sûr qu'il n'y a pas d'insuffisance cardiaque. Il n'y a même pas lieu de demander l'écho, malgré la présence de symptômes. Et s'il n'y a pas de symptômes, le CG normal, etc., on demande l'écho. Donc, voilà, pardon, pour ce qui est... pour ce qui est de l'algorithme diagnostique. Donc, présence d'une pathologie qui prédispose symptômes cliniques ou fonctionnels ou l'ECG, s'il n'y a pas tout ça, le diagnostic est probable, on ne demande rien. S'il y a au moins une prédisposition ou un symptôme ou un ECG pathologique, avant on demande directement l'écho, là on peut passer par le dosage des peptides natriurétiques. Parce que si les peptides sont négatifs, le taux est faible, voilà les limites. Si le taux est faible, on ne fait même pas l'écho. On est sûr que l'insuffisance cardiaque est plus faible. Mais s'il est positif, on va demander l'écho. Alors, quelle est l'évolution et les facteurs pronostiques de l'insuffisance cardiaque? Alors, l'évolution est envisagée selon les modalités suivantes. Le malade peut évoluer vers la guérison, la stabilisation, surtout s'il y a un traitement spécifique curatif. Seul le traitement spécifique curatif, par exemple valvulaire, on opère, remplacement, par exemple. Une cardiopathie ischémique, on va faire un pompage ou une angioplastie. Donc, s'il y a un traitement spécifique, on peut guérir ou stabiliser parfaitement le malade. Sinon, s'il n'y a pas surtout de traitement spécifique, l'évolution se fait vers des épisodes de décompensation. Le malade, il va faire plusieurs décompensations au cours de son évolution. Et voilà les facteurs qui vont décompenser le malade, surtout les cas de régime et la mauvaise observance thérapeutique. Quand il ne prend pas ses médicaments, il y a les cas de régime sensibles. Il y a un passage en ACFA, on l'a vu. Quand il y a un passage en ACFA, le débit est diminué de 30 à 40%, il n'y a plus de remplissage actif. Quand il y a une demande à l'augmentation, déjà le débit est diminué, et là, il y a une circonstance qui demande à augmenter le débit, comme la grossesse, la thyrotoxicose, l'hyperthyroïdie, l'anémie ou la fièvre. Donc, généralement, on voit deux pics. Quand il y a des infections, notamment en hiver, c'est le premier facteur de décompensation. Ils font des grippes, des bronchopneumopathies, etc., le COVID par exemple. Et le malade va décompenser. Et en hiver, avec les fêtes, etc., il y a des écarts de régime et on aura des décompensations. Et puis la poussée hypertensive. Voilà les principaux facteurs de décompensation. Et malheureusement, le malade, plus il fait des décompensations, moins il va répondre au traitement. Donc plus il fait des décompensations, il rentre à l'hôpital, il est hospitalisé, on le stabilise, la prochaine décompensation, il va répondre moins au traitement jusqu'à arriver à l'insuffisance cardiaque globale réfractaire au traitement. Passage.
Et dans ce cas-là, malheureusement, il peut évoluer vers le décès, surtout s'il n'y a pas de traitement spécifique. Alors le traitement non médicamenteux, le traitement spécifique, c'est le premier à demander si c'est possible. Il y a une cardiopathie ischémique, on a fait la coro, il y a l'indication de pontage, on fait le pontage, il y a l'indication d'angioplastie, on fait une angioplastie. Il y a une valvulopathie, s'il y a un remplacement valvulaire indiqué, on va le faire, s'il y a une plastie, on va le faire. Il y a une HTA, on va traiter l'HTA. C'est le seul traitement qui peut espérer une guérison ou bien une stabilisation très prolongée du malade. Quand on traite la cause, mais sinon si on ne traite pas la cause, l'évolution va se faire certainement vers des épisodes de décompensation. Alors le deuxième, toujours dans le traitement non médicamenteux, c'est les règles hygiénométriques, surtout le régime sans sel, surtout au moment des décompensations, avec la restriction hydrique à moins de 500 cc, tout liquide moins 500 cc quand le malade il est en décompensation, plus le traitement des autres facteurs de risque. Il faut éduquer le patient parce que l'une des causes de décompensation, c'est quand le malade ne prend pas son traitement. Donc il faut éduquer, il faut expliquer au patient c'est quoi sa maladie, c'est quoi l'objectif du traitement, pour qu'il puisse accepter déjà sa maladie et son traitement et pour augmenter l'observance thérapeutique. Et enfin, on a la réadaptation cardiaque et la réinsertion socio-professionnelle. Là aussi, c'est très très important. Donc si c'est un malade qui travaille, il est encore plus ou moins jeune, dans ce cas-là, il faut une réinsertion socio-professionnelle, proposer un autre poste de travail adapté à son état. Et puis, quand il a de l'insuffisance cardiaque, il y a toujours une tendance à la diminution de la masse musculaire, il faut essayer de garder un certain niveau d'exercice. Alors, l'exercice, on le fait à l'hôpital, c'est la réadaptation cardiaque sur tapis roulant ou bien sur vélo. Donc, c'est des programmes qui sont surveillés par les cardiologues et par la médecine de sport. Donc, programme de réadaptation cardiaque. Sinon, le traitement médicamenteux, on va parler surtout des plus importants. On a les deux classes qu'on a dit les plus importantes. Bloqueurs du système rénino-angiopoïétine-aldostérone, IEC, ARA2, anti-aldostérone. Les bloqueurs du système nerveux sympathique, les bêta-bloquants. Et les médicaments symptomatiques qui diminuent la stase sanguine, les diurétiques et les dérivés nitriques. Donc voilà les IEC. Les IEC sont appelés les PRIL, parce que quand vous voyez la DCI en bas, elle se termine toujours par un PRIL, comme le captopril, le premier, disponible chez nous en comprimé 25 et 50. Vous avez le ramipril, c'est le triathèque, les comprimés à 2,5, 5 et 10. Et vous avez le perandopril. Perandopril, c'est le coversil, il existe en comprimé à 4, 5, 8, 10 mg. Donc là, les IOC, c'est des bloqueurs du système rénino-angiopoïétine-aldostérone. On les donne à petite dose et on augmente progressivement. On surveille la tension, la fonction rénale et la kaline, parce qu'ils risquent de dégrader la fonction rénale et les risques d'une hypercalémie. On a les ARA2, les antagonistes de récepteurs de l'angiotensine 2, ce qu'on appelle les sartans. Quand vous voyez que la dénomination, ça se termine toujours par un sartan. On les appelle sartans. L'urine, c'est des prils, l'aroma, c'est des sartans. Condésartan, irbesartan, telmisartan, levalsartan, lelosartan, ça, c'est les principaux ARA2 qui existent chez nous. Utilisés, ils sont très connus parce qu'ils sont également utilisés dans le traitement de l'HTR. Là, c'est la deuxième classe. Et on a les anti-aldostérone comme le plus connu, le plus ancien, d'ailleurs le seul qui existe chez nous, c'est la spironolactone. Spironolactone, il se termine par ON, spironolactone. C'est des comprimés à 75. Et on a l'eplerenone qui n'existe pas chez nous, elle n'est pas disponible, c'est INSPA. Alors, c'est quoi la différence entre les deux? Alors, les deux peuvent induire une dégradation de la fonction rénale et une hyperkaliémie, les deux. Mais l'avantage de la deuxième molécule, c'est que l'aldactone interfère avec les hormones sexuelles. Donc, il peut entraîner une gynécomastie chez l'homme, ça peut entraîner des anomalies du cycle, une diminution de la libido, alors que l'eplerenone n'interfère pas avec les hormones sexuelles, elle n'induit pas. Par exemple, la gynécomastie, c'est l'un des effets les plus fréquents avec l'aldactone. Alors qu'avec les PRN, on n'a pas ce genre de problème. Ça, c'est les anti-aldostérones. Les trois classes, IEC, ARA2 et anti-aldostérone, ils vont surveiller la fonction rénale et la kaline. Les trois peuvent induire une dégradation de la fonction rénale et une hyperkaline. Vous avez les bêta-bloquants. Et donc, on va parler des bêta-bloquants d'insuffisance cardiaque. Donc, ce n'est pas n'importe quel bêta-bloquant. Parce que quand on entend bêta-bloquant, on veut dire qu'il y a une diminution de la force contractile. Ils ont un effet inotrope négatif. Mais les bêta-bloquants ont un effet bénéfique. C'est quoi leur effet bénéfique? C'est l'effet chronotrope négatif. Ils diminuent la fréquence cardiaque, donc ça diminue la
surconsommation en oxygène. Donc, du myocarde. Donc, on a cherché des bêta-bloquants qui vont avoir un petit effet inotrope négatif, pas trop important, et un bon effet chronotrope négatif. Et on les a appelés bêta-bloquants de résistance cardiaque. Ce n'est pas n'importe quelle molécule. Alors, actuellement, le seul qui est disponible chez nous, c'est le carvidérol, ben, c'est le plus ancien, c'est le premier, Dilacar. Il existe en comprimé de 2,5, de 3,125, pardon, jusqu'à 25 mg. Et puis, on a le nébivolol, c'est le téméri. Il existait avant et actuellement, il est en rupture sur le marché. C'est des comprimés à 5 et à 10. Là aussi, les bêta-bloquants, quand on les introduit, il y a toujours le risque de décompensation. Parce qu'ils ont un effet inotrope négatif. Donc, on les introduit à l'hôpital, petite dose, et on augmente très progressivement. On surveille la fréquence cardiaque, on peut induire une bradycardie. On surveille la tension, on peut induire une hypotension. Et on surveille l'état clinique parce qu'on peut induire une décompensation. Toujours, petite dose et on augmente progressivement jusqu'à la dose cible. Chaque médicament, des IEC, ARA2, anti-aldostérone ou bêta-bloquant, il a une dose cible. Là, il y a en cible toujours la dose cible ou bien la dose maximale tolérée par le patient. Et puis, vous avez les traitements purement symptomatiques. Alors, ces traitements-là, c'est des traitements pour lutter contre les symptômes. C'est uniquement quand le malade il a de la congestion, il a de la dyspnée, l'orthopnée par exemple, il a des reins crépitants à gauche. À droite, il a de la turgescence sur le flux, ascite, œdème, etc. On va diminuer le volume, on va faire une vasodilatation au niveau veineux et on va diminuer les signes congestifs. C'est des traitements purement symptomatiques. Ils n'ont aucun effet sur la mortalité ou sur le pronostic. Donc on peut utiliser les diurétiques. Alors, le connu, c'est les diurétiques de Lance. Le furosémide, alors son avantage, c'est qu'on peut l'utiliser quelle que soit la fonction rénale, même chez les malades dialysés. Là aussi, il faut surveiller la natrémie, ça peut induire une hyponatrémie, et la kaliémie, parce que ça peut induire une hypokaliémie. Et on a les dérivés nitrés, ça soulage facilement et rapidement la dyspnée, surtout dans le cas de l'OAP, comme le corvazal, c'est un apparenté aux dérivés nitrés, c'est la moxidonine, ou le risordan, le dinitrate d'isosorbide. On a également des dérivés nitrés injectables, comme le lénitral. C'est le dinitrate d'isosorbide injectable utilisé dans le traitement de l'OAP. Quand il y a un OAP, il faut rapidement baisser les pressions au niveau pulmonaire. On donne les diurétiques et les dérivés nitrés injectables et rapidement, on a un soulagement du patient. Donc, c'est des traitements purement symptomatiques. Aucun effet sur le pronostic. Alors, quel est l'algorithme de prise en charge? Alors, d'abord, l'algorithme n'existe que pour l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection ABC. Malheureusement, on va voir le cas de l'insuffisance cardiaque où la FE est au-delà de 40. Quand il y a une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection inférieure à 40, qu'est-ce qu'il faut faire? Première chose, il faut faire un traitement spécifique si c'est possible. Donc, s'il y a une cause qu'on peut traiter, comme une coronaropathie par un pontage angioplastique, valvulopathie, etc., il faut demander, il faut prescrire le traitement spécifique parce que seul le traitement spécifique peut stabiliser ou guérir complètement le malade. Et puis, on va donner les deux bloqueurs des deux systèmes. Il faut bloquer les deux systèmes. Toujours, on commence par petite dose et on augmente jusqu'à la dose cible ou la dose maximale tolérée par le patient. Donc, on a les IEC pour le système rénino-angiotensine-aldostérone et les bêta-bloquants pour le système sympathique. On surveille, comme je l'ai dit, IEC. On surveille la fonction rénale et la kaliémie, surtout. Les bêta-bloquants, on surveille surtout la fréquence cardiaque, la tension artérielle et l'état hémodynamique. Et on augmente petit à petit, généralement chaque 15 jours ou chaque mois, on augmente et on surveille les malades. Jusqu'à arriver à la dose cible pour chaque molécule ou la dose max tolérée. Si le malade, il y a toujours des signes de stase, il y a une dyspnée, orthopnée à gauche ou des signes congestifs à droite, il faut donner des diurétiques et des dérivés nitrés, c'est des traitements symptomatiques. Ensuite, on va voir la réponse. Premier cas de figure, il répond très bien au traitement. IEC, bêta-bloquant. Alors, j'ai oublié de vous dire que les ARA2 n'ont indication dans ce cas-là que pour remplacer les IEC quand il y a un effet secondaire de type 2. Parce que les IEC peuvent induire un effet secondaire spécifique aux IEC. C'est la toux sèche qui est très gênante. Quand il y a un effet secondaire type 2, on va arrêter les IEC, on les remplace par les ARA2. Alors, quand on fait un IEC plus bêta-bloquant, plus traitement symptomatique, le malade, il répond très, très bien. Il est stabilisé. Pardon. Donc, il est stabilisé. Il n'y a plus de symptômes ou bien il a des symptômes qui sont stables.
Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? On va maintenir le même traitement, on essaie d'arriver à la dose max ou la dose maximale tolérée ou la dose cible. Puis, on va faire une dégression, voire arrêt du traitement, s'il n'y a pas de stase, du traitement symptomatique. Donc, une fois le malade, il n'y a plus de signe de stase, on va arrêter le traitement diurétique ou dévinitré, parce que c'est un traitement purement symptomatique. Ou bien, on va essayer de diminuer. Donc, il ne faut pas maintenir le traitement de stase comme les dévinitrés diurétiques si le malade, il se sent bien. On essaye de diminuer, voire même d'arrêter le traitement. Mais sinon, les IEC et les bêta-bloquants, on ne les arrête jamais. Les deux bloqueurs des deux systèmes. Alors, s'il ne répond pas, il ne répond pas, il y a une aggravation des signes. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? On va rajouter un autre bloqueur du système renin-angiotensine-aldostérone, qui est l'anti-aldostérone. Donc, on va donner le bêta-bloquant, plus deux bloqueurs du système renin-angiotensine-aldostérone, l'IEC ou l'ARA2, s'il y a un effet secondaire type 2, plus l'anti-aldostérone. Si toujours symptomatique, sous IEC ou ARA2, plus bêta-bloquant, plus anti-aldostérone, là, c'est vraiment, on se rapproche de l'insuffisance cardiaque réfractaire. On a bien bloqué les deux systèmes et le malade, il est toujours symptomatique, voire même il s'aggrave. Dans ce cas-là, on va discuter d'autres traitements, comme par exemple un traitement qui va ralentir encore plus, c'est l'ivabradine, qui n'est pas disponible chez nous. Ou bien on va mettre une pile qui va resynchroniser le cœur. Donc, une pile qui va essayer de stimuler le ventricule, l'oreillette, ventricule gauche, l'oreillette gauche, le ventricule gauche et le ventricule droit et l'oreillette de façon synchronisée. Ce qu'on appelle une pile de resynchronisation. Donc, si le malade, il est toujours symptomatique. Alors, s'il est toujours réfractaire au traitement, malgré tout ça, on va discuter la digoxine, voire les inotropes positifs, dobutamine, dopamine, etc., voire la transplantation cardiaque. Donc, vous voyez, à partir du moment où on va associer IEC, bêta-bloquant, anti-aldostérone, et le malade est toujours symptomatique, malgré qu'on a associé tout, ça devient vraiment très difficile. On discute les autres et l'effet de ces autres-là n'est pas vraiment très prouvé, hein. Sauf la resynchronisation et l'ivabradine. Mais sinon, pour la digoxine, les inotropes, etc., l'effet n'est pas vraiment prouvé. Et il arrive des fois jusqu'à l'insuffisance cardiaque vraiment réfractaire au traitement, qui répond à aucun traitement. Dans ce cas-là, c'est l'indication de transplantation. Alors, dans le cas d'une insuffisance cardiaque à FT conservée, fraction d'éjection au-delà de 40. Il faut savoir qu'il n'y a aucun traitement à visée pronostique. Les IEC, les ARA2, les anti-aldostérone et les bêta-bloquants ont été essayés dans des études. Aucun traitement n'a prouvé qu'il diminue d'efficacité ou bien qu'il diminue, pardon, la mortalité ou le risque de décompensation. Dans ce cas-là, c'est indication seulement d'un traitement symptomatique par un dérivinitré ou un diurétique. Parfois, on prescrit les IEC et les bêta-bloquants, etc., mais il n'y a aucune preuve. Hein. Il n'y a aucun effet pronostique recherché. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, aucun traitement dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection au-delà de 40 conservé n'a prouvé qu'il diminue la mortalité ou le risque de décompensation. Donc, seulement, on va donner des traitements. S'il y a par exemple des œdèmes, l'ascite, etc., on va donner les dérivinitrés et les diurétiques. Donc, c'est des traitements à visée symptomatique, diurétique et dérivinitrés. Alors, le cas de l'OAP, je termine par les deux cas de l'OAP. Si l'OAP, il a une pression systolique au-delà de 10, 100 mm de mercure, donc il a une bonne hémodynamique, donc c'est une insuffisance cardiaque gauche aiguë, on va mettre l'oxygène, donc ventilation non-invasive, voire ventilation invasive, si ça ne répond pas, oxygène, position demi-assise, régime sans sel. Puis on associe les deux traitements symptomatiques, parce qu'il y a une stase au niveau des poumons de façon aiguë, donc on va donner des diurétiques IV à forte dose, et les dérivinitrés à la seringue électrique. Toujours si la pression systolique est au-delà de 100 mm de mercure. Mais si c'est un OAP avec un début d'état de choc, donc c'est une pression, une hypotension, pression systolique inférieure à 100, dans ce cas-là, je ne peux pas utiliser les diurétiques et les dévinitrés parce qu'ils vont chuter encore plus la tension artérielle. Dans ce cas-là, c'est l'indication d'oxygénation, position demi-assise, régime sans sel, etc. On va donner des inotropes positifs, type dobutamine, voire même la noradrénaline. Jusqu'à ce que la tension ou la pression artérielle dépasse 100 mm, et dans ce cas-là, on va utiliser par la suite les diurétiques et les dérivés. Voilà, et je vous remercie pour votre attention. Alors, s'il y a des questions, s'il y a quelques questions, je vais répondre aux questions.
Merci, docteur. Oui, merci. Merci beaucoup. Je pense qu'il n'y a pas de questions. OK, Ah, il donc y a tout une est clair. question. En cas Oui. de contre-indication, En cas de... en cas de contre-indication en bêta-bloquant, comme dans l'asthme, le Oui. PCO, par quoi on peut les Oui. remplacer? Une très très bonne question. Donc, je retourne à l'algorithme. Voilà. Donc, j'ai dit que les bêta-bloquants font partie des traitements de base. Traitements de base. Alors, en cas de contre-indication, et même je rajoute, voilà, c'est un petit détail, si je mets les bêta-bloquants et le malade n'est pas bien ralenti, il n'est pas bien ralenti, parce que le but, avec les bêta-bloquants, on atteint une dose, mais on ralentit un petit peu. Parce que le but, quand on ralentit, c'est qu'on va diminuer la consommation d'oxygène du myocarde. Il arrive des fois à donner des bêta-bloquants et le malade, il est toujours rapide. On va donner même jusqu'à la dose maximale tolérée ou à la dose cible et le malade, il est toujours rapide. Ou bien il y a une contre-indication comme l'asthme, etc. C'est l'indication d'autres traitements comme l'ivabradine. L'ivabradine, c'est le procoralant, c'est un inhibiteur des courants IF. Il a été testé et c'est l'AMMTAO, c'est dans les deux indications. Donc, quand il y a une contre-indication au bêta-bloquant, ou bien quand le malade, il est toujours symptomatique sous bêta-bloquant. Malheureusement, nous, il n'est pas disponible. Donc, il n'est pas disponible. Donc, quand il y a vraiment une contre-indication, on est vraiment bloqué. On est vraiment bloqué, on va arrêter les bêta-bloquants et on continue avec le traitement. Si les inhibiteurs calciques bradycardisants sont contre-indiqués, on peut utiliser la digoxine. La digoxine, elle peut ralentir un petit peu. Mais la digoxine, elle ne ralentit pas quand c'est sinusal. Elle ralentit quand c'est une ACFA. Quand c'est une tachy-ACFA, la digoxine, on l'a vu, elle peut ralentir. Mais quand le rythme est sinusal, vous donnez la digoxine, le malade ne se ralentit pas. Le seul traitement qui peut ralentir quand le rythme est sinusal, en remplaçant les bêta-bloquants, c'est l'ivabradine, quand il est disponible. Voilà. Je pense que j'ai répondu à la question. Merci beaucoup, docteur. Voilà. Merci, c'est à moi de vous remercier. J'espère que ça a été clair. OK, c'est bon? Monsieur Kane Oui? dit ça, les Oui? nouvelles recommandations 2021 de l'ASTMI, mais je pense que c'est pas dans notre sujet. Le STEM, par exemple, où je mets les nouvelles recommandations sur STEM. Ben, je sais pas, il y a quelqu'un qui m'a. Sinon, vous me les transférez par mail, vous me les transférez par mail ou je vais répondre demain. OK. D'accord. Donc, merci beaucoup, Allez, bon docteur. courage, à demain, Inch'Allah. Rendez-vous demain, Inch'Allah, à 16h aussi. On aura l'HTA à 18 ans. 18 ans. À D'accord, à 18 ans, 18h. on aura l'HTA et l'endocardite infectieuse, Inch'Allah. D'accord. Allez, bon courage. Docteur, le support de ces deux cours est disponible aussi. Oui, je Ouais. vais vous l'envoyer, pas de souci. D'accord, OK. merci beaucoup. Allez, Une autre salam fois, à alaikum. demain, inshallah. Merci. Allez, Inch'Allah, vraiment. merci. Ça, il a massé. Astaghfirullah, je vais donner la